Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'hommage à l'écrivain Georges Bernanos ce matin dans la commune de Pellevoisin à l'occasion du 70e anniversaire de sa mort. La première messe célébrée dans l'église Mar-Thomas à Mossoul en Irak depuis le départ de Daesh. Et puis nous entendrons Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les deux artistes chantent Sainte Thérèse de Lisieux dans un album qui sort prochainement. L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de mardi à mercredi deux propositions de loi contre la manipulation de l'information en période électorale. L'examen avait été suspendu début juin après un débat tendu autour des fake news. Alors qu'en pensent deux éditorialistes de la presse chrétienne? On en parle dans notre dossier avec Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir. Bonsoir. Et Henrik Lindel de La Vie. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Et on commence avec le 70e anniversaire de la mort de l'écrivain Georges Bernanos, l'auteur d'un journal d'un curé de campagne, livre offert, on se souvient, par le président Emmanuel Macron au pape François lors de sa visite au Vatican, est mort le 5 juillet 1948 à Neuilly-sur-Seine. L'auteur et intellectuel catholique est enterré dans la commune de Pellevoisin, d'où est originaire sa mère, et c'est là-bas qu'une messe anniversaire a eu lieu ce matin, avant un hommage au cimetière. Gabriel Massé a assisté à l'événement. Dans le village de Pellevoisin, quelques dizaines de personnes se rendent aujourd'hui à l'église pour une messe en hommage à Georges Bernanos. Demandons à Bernanos de nous stimuler pour nous aider à retrouver la meilleure part de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, et demander, pour ceux qui ont la foi, d'être éclairés par le Christ. Avoir une messe pour Bernanos, c'est une grande joie, parce que Bernanos est un très grand écrivain, mais c'est aussi un chrétien, un peu atypique d'une certaine manière, mais quand même, il dit des choses très fortes qui sont tout à fait intéressantes à reprendre aujourd'hui. Donc moi, j'étais ravi qu'on ait demandé une messe. C'était parfait. Après la cérémonie, direction le cimetière, où est enterré l'auteur de Journal d'un curé de campagne. Là-bas, c'est un autre écrivain, Sébastien Lapacque, qui prononce un discours. Dans ce discours, moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que autant il y a une trentaine d'années, c'était les romans de Bernanos qui faisaient sa renommée, Sous le soleil de Satan, le journal d'un curé de campagne, autant aujourd'hui sont vraiment ses essais de combat, La France contre un robot et La liberté pour quoi faire, qui lui apporte de nouveaux lecteurs et qui fait qu'il est aujourd'hui présent parmi nous et que son actualité, c'est-à-dire que c'est un auteur en acte. Et même un visionnaire pour le maire de la commune de Pellevoisin. Il a organisé cet événement avec un objectif. Faire découvrir Bernanos. Il n'y a pas assez d'adjectifs pour tellement il est riche, tellement il a été visionnaire, tellement aujourd'hui. Il est impossible qu'aujourd'hui quelqu'un ne trouve pas dans ses bouquins des choses pour lui. Georges Bernanos, si vous voulez, c'est un écrivain catholique. Il s'est en effet reposé sur sa foi chrétienne pour chercher la vérité. C'était un amoureux de la vérité. Georges Bernanos, l'amoureux de la vérité, et ses plus de 20 ouvrages publiés sont célébrés à Pellevoisin jusqu'à samedi. La mission des Vierges consacrée, encouragée par le Vatican, une instruction a été publiée hier par la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostoliques. Le texte encadre la mission des Vierges consacrées. Ces femmes, 5000 dans le monde, reçoivent une consécration de la part de leur évêque tout en ayant une vie, un travail. Charisme, enracinement, diocésain, formation, le document publié hier apporte des précisions sur cette vocation, une vocation essentielle pour la compréhension et la valorisation de la présence des femmes dans le peuple de Dieu, précise Mgr Carbaglio, le secrétaire du dicastère. Et puis une autre nouvelle qui nous vient du Vatican, le pape François a nommé aujourd'hui le journaliste italien Paolo Ruffini, préfet du dicastère pour la communication. En Irak, l'émotion était grande à Mossoul mardi pour la fête de la Saint-Thomas. Pour la première fois depuis le départ de Daesh, une messe a pu être célébrée à l'église Mar-Thomas, au cœur de la vieille ville, ravagée par les bombardements. Si les chrétiens de la ville n'ont pas encore pu se réinstaller, ils sont venus en nombre à cette messe présidée par Mgr Moshe, l'archevêque du lieu. Des musulmans étaient là aussi pour montrer leur amitié, un beau symbole environ un an après la fin des combats contre Daesh. 3 juillet, c'est la fête de Saint-Thomas chez nous. Donc c'est la fête de l'église, la paroisse Saint-Thomas. Comme d'habitude, chaque année, je célébrais autrefois la messe ici. Et aujourd'hui, pour cet anniversaire, nous avons eu la chance, la possibilité de venir ici pour célébrer la messe avec les gens qui sont venus de loin. Malheureusement, ils devaient être ici, mais ils ne sont pas là encore.
ils ont besoin d'être vraiment encouragés beaucoup, de leur faciliter la vie ici, la possibilité de vivre ici, pour pouvoir demeurer dans leur maison et continuer notre mission chrétienne ici. I'm here to attend this important event in this church in my hometown in Mosul, which I didn't come to since 2014. I prayed for that peace will come to everywhere in the world. All people live in peace and happy, no war, no killing, no these things. La situation en Irak sera au cœur de la journée de prière œcuménique voulue par le pape François pour le Proche-Orient samedi prochain à Bari. Tout comme la situation en Syrie qui inquiète particulièrement le Saint-Père, le médecin et mariste bleu à Alep, Nabil Antaki, était de passage à Paris il y a quelques jours et il nous confiait que la prière des autres était essentielle pour les Syriens. Il y a une association de médecins catholiques près de Paris, dans une région dont j'ai oublié le nom. Alors ils ont voulu faire un échange, ils ont une réunion mensuelle, ils ont voulu faire un échange de Skype avec moi. On a échangé pendant 2 heures, puis à la fin ils nous ont dit « De quoi avez-vous besoin en tant que catholique ?» J'ai dit que ce qui nous a manqué le plus, nous les bénévoles qui aidons les gens, c'est des retraites, c'est des temps de prière, parce qu'on est pris par le travail. Alors, quelques mois plus tard, ils ont dit « Voilà, nous allons faire une retraite, mais nous allons vous envoyer par Internet tous les textes et tout ce que nous avons fait, comme ça vous pouvez partager avec nous. » Vous voyez, ce genre de solidarité, des gens qui ne pensent pas seulement à faire un don, mais qui pensent qu'il faut bien que nous aussi, nous soyons nourris spirituellement et qu'on avait besoin aussi de leur aide. La journée de prière à Bari à suivre en direct samedi sur KTO. Monseigneur Petit, l'archevêque de Paris, a sanctionné Monseigneur Tony Anatrella, le prêtre psychanalyste. Il y a 12 ans, des plaintes avaient été déposées à son encontre pour abus sexuels. Mardi, Monseigneur Petit lui a signifié qu'aucun ministère sacerdotal ne lui serait confié. Il lui a demandé de ne pas entendre la confession des fidèles, de renoncer à la pratique de l'accompagnement spirituel et à toute intervention publique sans son accord. L'archevêque de Paris a pris ses décisions après l'enquête canonique réalisée ces derniers mois. Elle n'a pas donné lieu à un procès canonique. La Congrégation pour la doctrine de la foi n'a pas levé la prescription des faits, même si on observe qu'elle le fait dans des cas qui impliquent des mineurs. Monseigneur Aupetit s'est appuyé sur le droit canon pour réprimander Monseigneur Anatrella. C'est une grande déception, la misère n'attend pas et on va perdre une année. Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, a réagi sur les réseaux sociaux ce matin à l'annonce du gouvernement publiée hier. La stratégie de lutte contre la pauvreté, dont la présentation était initialement prévue le 9 juillet, sera dévoilée à la rentrée en raison d'arbitrages encore en cours, a fait savoir l'Élysée. Les propositions étaient pourtant là et les arbitrages faits regrettent de son côté Véronique Fayet. Parmi les associations qui luttent contre l'exclusion et la pauvreté, la Société Saint-Vincent-de-Paul, et elle a un nouveau secrétaire général. Jean-Luc Borden a été élu mardi par le conseil d'administration, diplômé de HEC. Il a réalisé l'essentiel de sa carrière au sein d'une banque. Il s'est aussi engagé dans différents services d'église, notamment en aumônerie de lycée ou dans la préparation au mariage. La priorité, c'est de ne pas rester seul. Et c'est l'amitié, c'est trouver une relation. Et bien sûr, ceux qui sont dans la solitude ont besoin de trouver une relation. Mais ce qui est formidable, et c'est ce que Frédéric Ozanam avait compris il y a déjà 200 ans, ceux qui leur apportent cette amitié trouvent également un plus grand sens à leur vie. Il y a 17 000 bénévoles partout en France qui travaillent en charité de proximité. Et donc, le secrétariat national est là pour les aider, non pas pour leur imposer, mais pour les aider, pour mutualiser des moyens et leur permettre d'être plus efficaces dans leur œuvre de charité. Une autre nomination, celle du patron des patrons. Geoffroy Roux de Bézieux a été élu mardi à la tête du MEDEF. Cet entrepreneur chrétien était venu il y a quelque temps partager sa vision de l'économie sur le plateau de Face aux chrétiens. On l'écoute. Je fais partie de ces chrétiens, de ces catholiques qui essayent de convaincre les gens autour de moi, mais en particulier les gens qui fréquentent assidûment, on va dire, le milieu catho, que au contraire, plus on entreprend, plus on crée de la richesse, plus on permet aux gens de sortir de la pauvreté, plus on fait acte, presque, j'allais dire, on se conduit en chrétien. Alors, qu'il y ait des dérives, qu'il faille condamner certains excès du capitalisme, personne ne le nie.
Voilà une émission à retrouver en intégralité sur notre site internet www.kto-tv.com. Si la question de la sécurité dans les prisons fait la une des médias ces derniers jours, le diocèse de Montpellier s'est emparé d'une autre problématique liée à l'univers carcéral, mais moins relayée. Les familles les plus démunies peinent à trouver un hébergement abordable financièrement à proximité d'un proche incarcéré. Le foyer de l'Orbe va ouvrir à la fin de l'année pour les accueillir. Notre journaliste Antoine Coty s'est rendu sur place. Dernier coup de pinceau avant la fin des travaux du foyer de l'Orbe à Béziers. Cette structure, composée de 5 studios, va prochainement permettre d'accueillir et d'héberger les familles de prisonniers pendant un court séjour. Un projet qui répond à un nouveau besoin des plus démunis. Ce projet du foyer de l'Orbe est né avec l'arrivée de nouveaux centres pénitentiaires en 2009. On est passé d'une petite prison très ancienne à Béziers, près de la cathédrale, avec une centaine de détenus, à une nouvelle prison qui a été inaugurée en novembre 2009, avec 1000 détenus. Vite, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin au niveau des familles qui avaient des difficultés parce que le transport jusqu'à Béziers est assez onéreux, suivant l'endroit où on est, et plus une chambre d'hôtel, c'était compliqué. Certaines familles ne pouvaient pas venir visiter les détenus. Réfléchir à comment aller vers les plus fragiles, c'est l'une des missions du diocèse de Montpellier et de l'équipe du diaconat. Depuis la Pentecôte 2017, une nouvelle orientation pastorale a en effet commencé pour les 5 prochaines années. Nous sommes dans une dynamique au niveau du diocèse, ce qu'on appelle l'orientation diocésaine « Bâtissons l'avenir ». Avec 4 dimensions essentielles qui sont reprises. La première, c'est favoriser la rencontre avec le Christ. La deuxième, c'est avec les jeunes et pour les jeunes, annoncer l'Évangile. La troisième, c'est aller vers toutes les périphéries et annoncer l'Évangile à toutes les périphéries. Et la quatrième, c'est vivre l'Église comme communion de disciples. 4 dimensions pour que l'Église progresse sur le chemin de la fraternité et de la mission. Et toujours dans le diocèse de Montpellier, son évêque auxiliaire, Mgr Claude Azéma, a vu sa démission acceptée par le pape François. Atteint par la limite d'âge, il quitte sa fonction qu'il occupait depuis 2003. Une célébration pour le remercier aura lieu le 2 septembre en la cathédrale de Montpellier. Sainte Thérèse de Lisieux au cœur du nouvel album de Natacha Saint-Pierre. Son titre « Aimer, c'est tout donner ». Il sortira le 3 août prochain. La chanteuse met en musique des poèmes de la petite Thérèse. Son précédent album « Vivre d'amour » là aussi reprenait des textes de la Sainte. Le chanteur Grégory Turpin participe également à l'album. Les deux artistes se sentent très proches de la petite Thérèse, comme ils l'ont confié à Ophélie Marien. La base du message de Thérèse, c'est on est aimé d'une manière beaucoup plus grande qu'on peut imaginer et nous, notre seul travail en tant qu'être humain, et elle le dit à Marie d'ailleurs dans un poème, notre travail sur Terre, c'est d'aimer. Voilà, c'est tout. Et Thérèse, elle est là pour nous rappeler qu'on n'a rien de vraiment hors norme à accomplir pour être aimé du Seigneur. C'est vraiment Thérèse qui, petit à petit, m'a fait comprendre de manière très simple, avec des mots très simples, qui était Dieu. Et je pense que ça peut rejoindre tout le monde. Thérèse, elle a des paroles qui peuvent toucher tout le monde, des mots simples. Et j'ai vraiment envie que les gens y repartent de ces concerts en étant élevés, en étant touchés, rejoints, peut-être que par simplement une phrase, mais je pense qu'on en sortira différent. Voilà un album à découvrir donc le 3 août prochain et on poursuit avec la chronique du Père Venard. Il nous dit en quoi il est bon de temps en temps que les chrétiens échangent vivement entre eux, mais toujours avec charité. Polémos, la guerre en grec qui a donné en français, entre autres, le terme polémique. Et il semble bien que ce terme fasse aujourd'hui peur, comme tout ce qui se rattache d'une manière ou d'une autre à ce qui nous paraît être violent. Et pourtant, le combat des idées est extrêmement nécessaire. Et pour cette dernière chronique de l'année, je voudrais défendre la polémique. Non pas défendre la violence dans les combats d'idées que nous pouvons avoir, en particulier entre catholiques, mais défendre cette capacité à échanger des idées, à combattre parce que nous pensons, nous voulons défendre tel ou tel aspect de la vérité.
Pourquoi avons-nous tant de mal? Peut-être parce que notre société est trop dans le ressenti et très vite on passe aux invectives, aux attaques ad hominem, au lieu de se contenter de défendre, d'argumenter sur des idées, en prenant pour principe que la personne qui n'a pas les mêmes idées que moi, qui défend d'autres combats, n'est pas forcément une mauvaise personne. Alors j'ai retrouvé, ce sera ma petite perle pour finir, mon petit cadeau en ce mois de juillet, quelques propos extrêmement beaux du pape François tenus au clergé de Gênes. Alors je vous les lis. Voilà ce que le pape dit. Il est également bon de nous disputer, comme se disputaient les disciples quand ils se demandaient qui était le plus grand parmi eux. Se disputer aussi. Il est bon également d'entendre des discussions au cours des réunions sacerdotales. Parce que s'il y a de la discussion, il y a de la liberté, il y a de l'amour, il y a de la confiance, il y a de la fraternité. Alors finalement, c'est peut-être cela qui nous manque, de la confiance, de la fraternité pour échanger, peut-être virilement, de manière polémique, de temps en temps, nos arguments, en n'oubliant pas une chose que le pape nous donne lui aussi, pour nous catholiques. L'Église est comme un fleuve. L'important, c'est d'être dans le fleuve. Si tu es du centre, si tu es de gauche, j'ai envie d'ajouter si tu es de droite, l'important, c'est d'être dans le fleuve. Merci Père Venard. Tout de suite, la revue de presse. Et on commence avec France Catholique et votre éditorial Gérard Leclerc. Vous revenez sur la visite du président Macron au Vatican. Oui, je réponds à mon excellent collègue Éric Zemmour, avec lequel je ne suis pas d'accord, pour un papier qu'il a fait dans le Figaro Magazine, où il met le pape et Macron dans le même moule idéologique. Alors, je ne suis pas du tout d'accord et je m'en explique. Eh bien, écoutez, à découvrir donc dans La Vie cette semaine. France Catholique, pardon. Et La Vie propose un dossier sur l'intelligence émotionnelle, Henrik Lindel. Oui, tout à fait. Nous, on part déjà un peu sur des sujets de vacances, c'est-à-dire, non pas des sujets légers, mais des sujets profonds. Parce que les gens, pendant les vacances, ils ont envie de lire des sujets qui permettent d'approfondir un sujet. Nous parlerons, bien sûr, aussi de Bernanos dans ce numéro, et on parlera, bien sûr, des actualités politiques et sociales qui sont quand même riches. Il ne faut pas l'oublier. Merci Henrik Lindel. Pèlerin s'intéresse à la grande refonte du système des retraites prévues en 2009, aux règles de distribution complexes et parfois injustes, souligne l'hebdomadaire. Pourtant, elles sont indispensables pour les personnes modestes, en particulier pour les veuves qui ont été femmes au foyer. Pèlerin vous explique tout cette semaine. Et puis, joyeux anniversaire à Famille Chrétienne qui propose un numéro spécial pour ses 40 ans. Autant de couvertures en une de l'hebdomadaire cette semaine. Et pour l'occasion, la rédaction vous propose une visite guidée dans ses murs du 19e arrondissement de Paris. On y travaille avec des logiciels de pointe, le tout dans une humeur joyeuse et studieuse. Voilà pour votre revue de presse tout de suite, le dossier. Deux textes sur les fake news, les fausses nouvelles, ont été adoptés dans la nuit de mardi à mercredi à l'Assemblée nationale. Ces deux propositions de loi visent à permettre à un candidat ou à un parti de saisir la justice pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les 3 mois précédant un scrutin national. Elles imposent aussi aux plateformes numériques des obligations de transparence lorsqu'elles diffusent des contenus contre rémunération. Gérard Leclerc, je rappelle que vous êtes éditorialiste à France Catholique. Certains y voient une loi dangereuse pour la liberté d'expression, les fake news. Est-ce que cela vous inquiète comme éditorialiste ? Pas vraiment. Je m'inquiète surtout sur l'utilité de cette loi. J'avoue que je me demande si dans l'arsenal actuel, disponible, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour lutter contre ce genre de méfaits, contre les bobards, parce que les fake news, en fait, c'est les fausses nouvelles, mais c'est aussi les bobards, parce qu'il y a la volonté d'imposer d'une façon maligne des contre-vérités. Bon, ce qui m'inquiète, c'est un peu l'idéologie qui est derrière une certaine façon de mettre la justice sans arrêt en alerte devant les médias. Ça renvoie à ce que George Orwell appelait une police de la pensée. Alors ça, je m'en méfie beaucoup. Et pour moi, il y a un peu trop de gens qui sont dirigés vers la 17e chambre qui est chargée des délits de presse. Et ça, je ne suis pas du tout content de cette tendance. Henrik Lindel, on vient d'entendre les inquiétudes de Gérard Leclerc. La police de la pensée, notamment, ça vous fait peur ?
Oui, tout à fait. La police de la pensée me fait terriblement peur, parce que c'est la police de la pensée qui nous empêche non pas de penser, mais de nous exprimer sur des sujets qui sont importants. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ces fake news? Pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet si important? Et bien, ça date d'il y a 2 ou 3 ans, avec la campagne de Donald Trump, qui par la suite a réussi à gagner l'élection il y a moins de 2 ans. Mais c'est sur des sujets extrêmement polémiques, notamment l'immigration, mais aussi le protectionnisme économique, sur ce genre de thème. Et c'est sur ce genre de thème qu'il y a eu effectivement des fausses informations qui ont été divulguées, diffusées, pas forcément par Donald Trump lui-même, mais c'est vrai que lui, il a un problème, je crois, tout à fait particulier dans son rapport à la réalité, puisqu'il manipule des faits d'une façon tout à fait contestable. Mais quand on met en avant maintenant dans le débat systématiquement ce type de problème, forcément on se demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose de politique derrière? C'est dans un contexte politique très particulier, en Europe aussi, avec la victoire presque dans tous les pays de la droite populiste, de l'extrême droite et de ces partis ou formations qui ont été critiques par rapport à l'immigration. Alors Françoise Nyssen, qui est le ministre de la Culture, a dit qu'il s'agit bien effectivement de protéger notre démocratie. Mais alors, justement, de quoi parle-t-on concrètement? Qu'est-ce que c'est une fake news? Moi, j'ai mon anti-sèche là, parce que justement, il y a quand même une définition et qui vient d'être modifiée par les parlementaires. Donc, une fake news, c'est toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeuse qui constitue une fausse information. Donc, c'est extrêmement large comme définition. Et par ailleurs, il s'agit bien de... Enfin, qui pourra porter plainte? Qui pourra en faire une affaire judiciaire? C'est un parti ou un candidat? Et ça, pendant 3 mois, à partir de 3 mois avant l'élection. Donc, c'est quand même dans un cadre tout à fait politique qu'on lance ce nouveau procédé. Gérard Leclerc, en tant que média chrétien, bon, c'est un peu exagéré de penser qu'on est dans le collimateur, hein, bien évidemment, mais est-ce qu'il y aurait des choses à craindre pour vous? Ben oui, je vais vous dire, mais avec certaines tendances aujourd'hui qui consistent à censurer systématiquement, même dans les plus grands classiques, des textes qui ne correspondent pas enfin, aux intérêts ou à l'identité d'une certaine catégorie de la population, on peut aller très loin. Pourquoi pas censurer la Bible ? Dans la Bible, il y a des tas de choses qui ne pèsent pas à certaines catégories, etc., des choses très très dures, etc. Alors, va-t-on censurer la Bible dans une certaine, conception, je dirais, du politiquement correct, plus rien n'est immunisé, en quelque sorte, on peut aller très loin dans ce genre de police de la pensée. – Vous vouliez réagir, Nakina ? – Oui, tout à fait, parce que vous voyez comment on réagit, nous, Gérard et moi, déjà. Nous sommes journalistes, nous dépendons de la liberté de nous exprimer. Et encore une fois, la réalité, aujourd'hui, n'est pas forcément plus inquiétante qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 50 ans, 70 ans. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on a une telle loi? C'est une question, une critique, et la réponse serait très longue. On n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout de ce sujet. Autre chose, c'est que il y a ce qu'on appelle une judiciarisation de la presse. On pourrait dire aussi, on en parlait avant, une américanisation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est contraire à l'esprit même de la presse qui est en cause dans cette affaire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé un peu des problèmes que posent effectivement, sans doute politiquement, des leaders politiques comme Donald Trump, qui sont très particuliers. Quand on en est à invoquer la démocratie, protéger notre démocratie, effectivement, il y a quelque chose de politique derrière, mais pour moi, il faut rappeler ce que faisait tout à l'heure Gérard Leclerc, on ne peut pas dire n'importe quoi aujourd'hui. Si moi je vous insulte, etc., immédiatement, je vais avoir un problème. Il y aura effectivement, on aura un procès. Voilà. Donc, il ne faut pas penser qu'on peut dire n'importe quoi. Il faut penser, en revanche, qu'il y a des moyens technologiques qui nous permettent effectivement de diffuser à une échelle tout à fait considérable des fausses informations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le problème existe, hein, il faut pas. Et le problème existe aussi dans la mesure où il y a des États, paraît-il, qui parfois manipulent des informations, qui utilisent des plateformes de l'Internet qui permettent d'atteindre des dizaines de millions de personnes, etc.
Il faut donc discuter de ce problème-là. Il faut cultiver l'esprit critique. Et on ne cultive pas l'esprit critique en interdisant tel ou tel fait qui serait inexact ou trompeur. D'ailleurs, qui serions-nous à dire que tel fait est inexact ou trompeur? Qu'est-ce qui nous permet de dire cela? Ouais, il nous reste malheureusement. Donc, cultivons l'esprit critique, quelques secondes. Un dernier mot, Gérard Leclerc. Cultivons l'esprit critique, c'est ça qu'il faut retenir. Cultivons l'esprit critique, l'esprit d'échange des idées. Ce n'est que par la liberté de penser qu'on ira contre ce qui est faux. Les allégations fausses, je ne crois pas du tout à une police, à une censure de la pensée, mais je crois à la liberté d'expression de la parole. Merci beaucoup Gérard Leclerc, merci beaucoup Henry Lindel d'avoir partagé vos points de vue. Et comme nous débutons la période de vacances, j'en profite pour vous suggérer deux idées de lecture. Votre livre Gérard Leclerc, mai 68, sous les pavés l'esprit, aux éditions France Empire, et puis votre livre d'entretien, Henrik Lindel, avec Laurent Landette, le modérateur général de la communauté de l'Emmanuel. Il sera publié le 17 juillet, son titre, Dieu fait toutes choses, nouvelle aux éditions de l'Emmanuel. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. On se retrouve en septembre prochain. D'ici là, excellentes vacances à tous, et bien sûr sur KTO.